Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te dire que tu vas me détester. Eh ouais. Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Putain, je tremble, on dirait que j'ai le tétanos là. Le Parkinson, pardon. c'est le matin, c'est la fatigue. Ah ouais. J'ai enchaîné plus de 60 heures de boulot, donc j'étais un petit peu. Indulgent à un petit con. Je viens de vous traiter de petit con. Oh merde. Enfin bref. Alors, je fais une petite vidéo par rapport à la Coupe du Monde. Tout le monde en fait, tu vas dire pourquoi Chichi ne m'en a pas encore fait. Chichi va te la faire, mais Chichi va t'en faire une différemment. Je n'aime pas le foot. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Tout simplement. Alors, je tiens à préciser que j'ai regardé certains matchs quand même, histoire de dire, quand tu me poses une putain de question de football, de merde, par exemple, je pourrais à peu près te répondre. Par exemple, Chichi, tu tiens avec quelle équipe, etc. Chichi, il n'a pas donné l'équipe de France gagnante, t'inquiète. Je vais pas aller contre mes pensées, par exemple. À la base, pour moi, l'équipe de France, elle passait le premier tour et elle se cassait la gueule comme une grosse merde. Ouais, tout simplement. À la tienne. Ah, tu vas me dire, pourquoi tu fais cette vidéo or qu'on est en finale? En même temps, je devais te faire cette vidéo parce que j'ai donné l'équipe de France à chaque match perdante. À chaque fois, la France, elle a eu de la chatte, mais elle a gagné. Ouais, je me demande comment. En fait, ils ont dû peut-être payer l'arbitre ou payer l'équipe adverse. Enfin bref, tu te demandes pourquoi ils sont arrivés aussi loin. Surtout quand tu vois qu'ils ont eu certaines équipes en phase 2 qui sortaient quand même un petit peu un jeu bien meilleur. Alors, à chaque fois que je donnais une équipe gagnante, ils ont perdu et inversement. Alors, je voyais bien, franchement, je voyais peut-être le Brésil un petit peu plus loin. Le match où je tiens avec le Brésil, ils se sont cassés la gueule. Je voyais l'Espagne championne. En même temps, je suis un petit peu espagnol. Donc, du coup, je me suis dit, allez, c'était les origines, même si c'est de la merde, de le football. T'espères quand même que l'Espagne, elle va gagner. Ouais. Ils ont perdu aussi. Bande de pédé. Enfin, bref. Tu te dis, putain, pourquoi? Au lieu de jouer au football, ils sont toujours à terre. Ils sont toujours en train de pleurer. Ouais, ils pleurent leur mère, c'est un truc de malade. L'autre, ils touchent même pas, ils sont déjà en train de pleurer leur mère. C'est limite, t'as déjà, tu vois, les pompes funèbres qu'ils arrivent à côté, tu vois, pour déjà préparer le cercueil, au cas où qu'il vient de rendre l'âme, parce qu'il a trébuché tout seul. Le pire de tout ça, c'est que des fois, t'as l'arbitre qui va voir celui qui l'a pas touché, pour lui foutre un putain de carton. Alors lui, je sais pas, à mon avis, il doit aller chez Optique 2000, ou comment il s'appelle, l'autre qui fait des pubs, là chez Afflelou, en plus pour 1 euro de plus, t'en as d'autres. Il devrait y aller, hein, parce que laisse tomber, parce qu'il voit rien, il met des cartons à des personnes qui touchent pas les autres. Ouais, putain, je sais pas, moi, c'est ce qui est le plus intéressant, un putain de baston sur le terrain, parce que quand tu vois ce qu'ils font sur un terrain de foot, bah tu te fais chier. En plus, tu te dis, il faut regarder le match pendant au moins plus d'une heure et demie, parce qu'avec les putains de prolongations de merde, etc. Voilà, t'attends qu'une chose, c'est qu'il y a une putain de bâton sur le terrain. Ah non, tu te fais encore plus chier parce qu'il n'y a rien. Et puis l'autre qui le touche pas, il se prend un carton. Puis après, il se prend un carton rouge parce qu'il ne l'a pas touché une deuxième fois. Ah bah, t'es laisse tomber, tu te fais chier. Mais c'est un truc de malade. J'ai jamais vu même les actrices porno, elles simulent pas autant, c'est un truc de fou. Tu vas me dire, Chichi, si t'aimes pas le foot. Va sur YouYo, va sur YouPorn. Ouais, mais je suis fatigué, moi, j'ai travaillé. Et puis après le travail, je vais à la salle de sport. Donc si j'ai déjà des petites courbatures au niveau des muscles,
Ah, laisse tomber, après je vais rester coincé. T'imagines, je vais avoir l'air con. Le lendemain, je me présente au boulot, je suis coincé. Anthony, tu fais quoi? Bah, j'étais à la salle de sport. Avec la main dans ton boxer. C'est un autre sport, tu connais pas. Enfin bref. Ouais, tout ça pour te dire que vu que j'aime pas, je vais encore vous faire chier. Je donne l'équipe de France perdante. Et ouais. Là, c'est la vidéo où je vais me faire traiter le plus. C'est un truc de malade. La vidéo là, si je me fais pas traiter, vous êtes une belle bande de sucheurs. Non, je plaisante. Enfin, j'aime bien que tu m'as compris, quoi. J'aime bien les likes. Hein. Allez, je vais donner de ma personne. C'est l'équipe de France, elle gagne. Je vais mettre la perruque blonde que t'as vue dans l'autre vidéo. Et je vais te faire une chanson de Disney. Je vais me déguiser en princesse et je vais te chanter une chanson de Disney. En même temps, je suis en train de chercher quelle blonde je peux chanter. Oh putain, il n'y en a pas beaucoup en fait. Chez Disney, ils sont rousses, ils sont brunes. Mais des blondes, j'en vois pas énormément. Je vais te faire peut-être la Reine des Neiges. Libérée, délivrée, tu connais? Si l'équipe de France, elle gagne, je te chante la Reine des Neiges. Ça promet. Et puis, pour te faire plaisir, je vais peut-être faire le présentateur du dernier match. Tu vois, je vais mettre le match et puis je vais te mettre mes réactions. Ça peut peut-être le faire. Bon, j'ai fini de te casser les couilles. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te faire chier et de te dire que j'aime pas le foot. C'était Chérica. Allez, bye tout le monde.